de l'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo a eu pendant un séjour de 48 heures à assister à l'entraînement du bataillon canine de la brigade de réaction rapide à Bénéville. Il en a donc ainsi profité pour échanger avec les éléments de la brigade de réaction rapide et a assisté à un exercice de chien de chasse. Et c'est sur la colline de Beni Païda que le général Kassongo, commandant secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, a également pu montrer de loin au chef d'état-major général de FARDC les positions de ZDF déjà conquises par l'armée nationale VTR. Ce qui permet de remettre en cause toute la vérité mensongère selon laquelle le FARDC serait hors contrôle de zones à conflit. Depuis sa nomination, le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Tshiwewe, a effectué son tout premier voyage à Beni dans le cadre d'une mission de réarmement moral et d'inspection au cours de ce mois d'avril de l'année 2023. Eshima Magazine consacre son édition de mars aux femmes congolaises. À la une, un point d'orgue mis sur la vice-ministre des Finances, Onège Tselenimpa, reconduite à ce poste au sein du gouvernement Samalou Kondé II. Dans un entretien exclusif accordé à Eshima Magazine, la vice-ministre des Finances qui a suivi un cursus académique hors pair expose sa perception sur la question des droits des femmes en RDC et l'apport de son ASBL dans le développement des milieux ruraux et périurbains. Deuxième femme à occuper 30 ans après ce poste, elle s'est à chaque fois déployée sur terrain afin de répondre avec rigueur aux exigences de ses fonctions et accompagner Nicolas Kazadi, son ministre des tutelles. Votre magazine vous propose également une interview de Janine Mabunda,
première femme élue présidente de l'Assemblée nationale congolaise qui parle de son combat et son rôle de porte-voix pour la cause des femmes en RDC. Retrouvez dans la rubrique Focus les portraits des femmes membres du bureau de la CENI et sa secrétaire exécutive nationale. Découvrez également plusieurs portraits et interviews d'un échantillon des femmes congolaises, déception et femmes entrepreneuses telles que Georgine Selimani, Anne-Émilie Kassongo, Grace Kaumba, Micheline Chabani, Ticia Mukuna, l'artiste Rebo Chulo et autres. À lire aussi le dialogue du chef de l'État Félix Tshisekedi avec les femmes au Palais du Peuple. DGI, le Premier ministre décerne un prix au DG Barnabé Mwakadi pour la mobilisation accrue des recettes fiscales en 2022. Et Chima Magazine, un nouveau standard d'information.